Bonjour monsieur Pierre Prou. Oui. Donc vous commencez à être un habitué du festival de la bande dessinée de Merindol. C'est vrai. C'est la deuxième fois que vous venez ou la troisième fois? C'est la troisième. Troisième fois. La troisième. D'accord. Et donc, en une année, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? J'imagine que vous avez fait beaucoup de voyages. Oui, j'ai fait effectivement beaucoup de voyages, j'ai fait beaucoup de dessins. Oui. Ça, c'est habituel, il y a 30 ans que ça dure. Mais la nouveauté, c'est que j'ai ouvert une boutique. J'ai ouvert une petite librairie du carnet de voyage à Lourmarin. C'est presque unique. C'est même unique en France parce qu'aucun libraire ne pourrait vivre qu'avec des carnets de voyage. Déjà qu'ils ont de la difficulté pour vivre alors qu'ils sortent 40 nouveaux titres par jour, paraît-il. Mmh. Alors, vous pensez bien. Alors à Lourmarin, j'ai ouvert cette boutique. Donc c'est mon atelier. Mmh. Et maintenant, cet atelier est ouvert sur la rue. C'est-à-dire que les touristes, les groupes même peuvent entrer. C'est une ouverture qui a eu lieu en 2019 alors. Ah oui, au mois d'avril. Voilà, d'accord, avant votre festival de la fruitière numérique. Oui, et bien écoutez, ce n'est pas une coïncidence, j'ai ouvert pour. J'ai profité de tous les carnétistes qui étaient là dès le vendredi. D'accord. Les 50 copains qui étaient carnétistes dans notre salon pour faire mon inauguration. Ce qui fait que je les avais tous. On a fait un apéritif. Je les avais tous en fin d'après-midi du vendredi. Et c'était très intéressant pour moi de recevoir tous ces copains croqueurs. Et eux étaient assez impressionnés de voir qu'il existait. Et d'ailleurs, certains d'entre eux m'ont laissé leurs livres en dépôt. Parce qu'ils aimeraient que le public qui passe à Lourmarin, qui est un peu nombreux quand même l'été, puisse consulter les ouvrages. D'accord. Au niveau carnet, l'année dernière, justement à l'occasion de ce salon du carnet de voyage, j'ai sorti une compilation de mes croquis du désert. J'ai eu la chance depuis une vingtaine d'années d'aller tous les mois de mars dans un désert, avec 3 ou 4 copains. D'accord. Et donc j'ai fait un livre sur cette aventure. Et ce bouquin-là, qui s'appelle Erg et Reg, croqué dans les déserts du monde, je l'ai sorti cette année, en 2019. Est-ce que vous pouvez le montrer? Le voilà, Erg et Reg. Erg et Reg. Erg et Reg, croqué dans les déserts du monde. Vous savez que l'erg, c'est le désert de sable, le reg, c'est le désert de cailloux. Les cruciverbistes le savent, ça. Parce qu'assez souvent, quand vous voyez tas de sable, graines de sable et tout, en 3 lettres, à tous les coups, c'est l'un ou l'autre. D'accord. Donc voilà, ce bouquin est sorti au mois d'avril pour le salon. D'accord. Est-ce que vous pouvez tourner une ou deux pages pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Alors il est très illustré. Ça, c'est un de mes amis qui était avec moi dans ses voyages. Oui. Un petit prologue pour expliquer la richesse des déserts. Et puis, on part dans les déserts du monde. Alors, il y a à la fois les règles, les différents règles que j'ai fait avec mes amis, le plus souvent en Méharé, en dromadaire, que j'ai fait avec mes amis dans une bonne douzaine de déserts du monde. Oui. Et puis en même temps, des généralités sur la vie dans les déserts. La faune, quelques planches qui paraissent par-ci par-là. La faune, la flore, l'art rupestre, toutes les gravures que l'on voit sur les rochers du Sahara, etc. Ah, oui. Et puis autre chose, l'eau d'oasis, l'eau. Domestiquer l'eau dans le désert, elle est précieuse, la route du sel, etc. Voilà, c'est ce que l'on trouve ici par exemple, cette planche-là, et sur l'artisanat. D'accord. Et les bijoux, tout la règle, etc. Mmh. Ouais, c'est une région qui est aride actuellement, mais qui a été verdoyante il y a quelques milliers d'années, oui. Et qui a accueilli beaucoup de c'est sûr. De peuples. Seulement quelques milliers d'années. Et il y avait des peuples, il y avait même des royautés du côté du Mali, il y avait des capitales universitaires comme Tombouctou. Il faut savoir que Tombouctou, il y avait plusieurs universités, il y avait des bibliothèques énormes, elles y sont encore, mais elles sont mises un petit peu quelquefois à défaut parce qu'il se passe des mauvaises choses. Mais lorsque les Arabes ont dû quitter tout le sud de l'Espagne, oui. Cordoue, Grenade et tout, tous les intellectuels, et vous savez qu'ils l'étaient, se sont réfugiés pour beaucoup à Tombouctou. C'est ce qu'a fait, à partir de cette époque-là, la richesse de la ville. Donc oui, des ethnies, les Bédouins, les Maures, les Touaregs, et puis des royaumes, et puis même des peuples, des ethnies qui n'ont pas de frontières. Les frontières sont artificielles, elles ont été traitées par les colonisateurs. Oui, oui. Mais pour un Touareg, il est aussi bien chez lui au Niger qu'en Libye, vous voyez. D'accord, ah oui. D'accord. Algérie aussi.
Pour eux, on passe d'une à l'autre. Il y a pas de, les frontières ne sont pas marquées en zone désertique. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou de plusieurs albums dont vous êtes le plus fier et qui ont eu du succès, et par contre également d'autres albums dont vous êtes très fier également, mais qui ont eu un peu moins de succès, que vous voudriez mettre en avant? Oui, je suis assez heureux d'avoir produit un carnet sur le Japon. Oui. Et à la suite de 2 visites, de 3 semaines, je crois que très vite, j'engrange, je suis un peu au voyage comme une éponge. Je prends tout ce qui me vient comme émotion, comme sentiment, comme ressenti. Je fais de très longues journées. Donc cet album au Japon, j'ai bien aimé à le faire, car ce pays est très désorientant pour les Occidentaux, vous le savez. Oui. C'est le pays de tous les étonnements pour nous. Et donc j'ai mis beaucoup de cœur à faire ce carnet. Et j'ai eu la chance de vérifier son impact, parce qu'un ami l'a propagé au Japon auprès d'autres copains, dans le cadre des Rotary Club, où je connais pas mal de gens là-bas. Oui. Et j'ai eu des ressentis de Japonais qui étaient étonnés de la manière dont j'avais pu voir leur pays, si bien qu'il est en cours de traduction à Osaka. Et, donc ça, c'est une des fiertés. La deuxième fierté, c'est Éthiopie. Éthiopie aussi, d'accord, le voyage que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, Éthiopie du Nord et du Sud, c'est un pays très captivant. On est sur le toit de l'Afrique, certes c'est l'Afrique, mais en même temps, vous savez, ces gens sont très croyants. Et au moment des fêtes de l'Épiphanie en janvier, ce n'est que procession sur procession d'un village à l'autre. Et puis ils ont bâti toutes leurs églises rupestres, toutes creux, des centaines et des centaines d'églises ou monastères creusés dans les rochers, etc. Mmh. Et ce livre-là, je l'ai fait aussi avec beaucoup d'amour, il est très précis, tant qu'architecte, j'ai pu un peu me mettre sur quelques pistes, comment a-t-on réalisé dans le rocher ces milliers de mètres cubes de pierre qu'on a sortis de là. Bien que les Éthiopiens disent que ce sont les anges qui ont fait ça en une nuit. Mais quand on y est, tant qu'architecte, on se pose des questions. Alors ce livre-là aussi, je l'ai mis dans les mains de l'ambassade de France, là-bas, oui, de l'Alliance française, de certains amis que j'ai français à Addis Abeba, et il est en traduction. D'accord. Et on m'a demandé même de lever un peu ce qui était trop touristique, oui, la description de certains hôtels, et d'aller vers des généralités, de manière à le produire pour les scolaires. Car ils ont trouvé que cette Éthiopie, et ce livre-là, devrait être dans les mains de tous les petits collégiens. Vous savez, là-bas, il n'y a pas de profusion de libraires, il n'y a pas profusion d'éditions. Ah oui. Donc ce livre-là. Et pour votre dernière question, un bouquin que je pensais qu'il aurait un peu plus d'audience, oui, c'est le Yémen. J'étais là aussi très impressionné par le Yémen, par l'architecture des Yéménites. Ah oui. Qu'elle soit dans des villes comme ça. C'est un pays qui est très peu connu, en fait. Hein. Je veux dire, en Occident, on connaît très peu le Yémen, on entend parler maintenant. Même... Oui, peut-être, mais... parce qu'on te connaît très peu. Ouais. Il y a eu une longue période où on n'a pas pu aller là-bas, il y avait la guerre, ouais, entre le Sud et le Nord, je vous rappelle. Ouais, ouais. Après, le Nord s'est ouvert aux touristes, mais seulement le Nord. Ouais. On ne pouvait pas tout faire, c'était déjà un frein pour une activité touristique. Et puis, actuellement, depuis quelques années, il y a la guerre. Ouais, ouais. Il y a l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont par pays interposés, qui se font la bagarre. Ouais, ce oui. sont les Yéménites qui sont les victimes. Donc ce livre n'a pas eu, je pensais qu'il aurait plus de succès. Et est-ce que ces 3 carnets de croquis, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous pouvez nous en montrer un ou est-ce que... Oui, Éthiopie, il est par là. Est-ce que vous pouvez tourner quelques pages? Voilà. Voilà donc Éthiopie. Là, on est en pleine fête religieuse. Voilà ce carnet sur les tours. Ok. Bon, comme ça va. Hein. Le Japon, vous ne l'avez pas par hasard? Oui, il est par là. Voilà, Japon, donc en cours de traduction à Osaka. Le Fuji, le fameux Fujiyama, évidemment, incontournable. Et on commence par là. Ouais, c'est une très belle planche. Hein. Voilà, etc., etc. Alors,
Donc pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets et surtout du festival que vous allez réaliser depuis déjà quelques années à Lourmarin, concernant les croquis de voyage avec certains de vos collègues. Oui. Donc c'est quelque chose qui doit être préparé longtemps à l'avance, donc dont vous vous occupez. Et donc voilà, si vous pouvez nous en dire juste quelques mots. Je vous en dis un mot. Mes projets personnels, tout d'abord, pour faire bref, on a déjà arrêté d'autres voyages. Donc un Costa Rica au mois de janvier, avec un petit groupe de copains, les anciens du désert. D'accord. On est un peu plus sédentarisé, on va un peu dans... Et puis au mois de mai, Dubaï, Abu Dhabi. On va aller voir un peu les progrès architecturaux d'aménagement de ces pays qui ont, il y a quelquefois... Ils sont à la pointe de la modernité là-bas, par contre. Pardon ? Dans la mesure où ils ont pas mal d'argent, ils sont à la pointe de la modernité, surtout ils sont à la pointe, effectivement, ils sont à la pointe de la modernité, à tout sens. C'est pas un exemple louable à prendre, on le sait, parce qu'au niveau des économies d'énergie, comme ils font venir pour bâtir, par exemple, le sable d'Australie, puisque le sable maritime n'est pas bon pour la construction, on a déjà une idée du bilan économique et écologique de toutes ces mises en œuvre des pays du Golfe. Mais enfin, disons que ça peut faire un voyage intéressant. Il faut voir, parce qu'il y a des prouesses d'architecture et d'aménagement. J'aime bien ce qui est tout le mobilier urbain, comment on va traiter là-bas, problème des circulations piétonnes, les espaces paysagers, comment on a mis la verdure. Mais pour en venir au festival du Carnet et de Lourmarin, effectivement, depuis 2 ans, se tient à Lourmarin, au mois de mars-avril, un salon du carnet de voyage. Mm-hmm. Un salon du carnet de voyage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut réunir pendant 2 semaines, pendant 2 journées, il faut réunir pendant 2 journées une quarantaine de carnetistes, et qui sont des gens qui voyagent, qui dessinent, souvent jeunes, assez souvent en couple, et qui peuvent venir animer pendant 2 jours ce salon, et montrer au public le travail qu'ils ont ramené de leur voyage. Et d'accord. On insiste sur les originaux. On aime bien qu'il y a d'ailleurs des vitrines où on peut mettre ces originaux pour certains de ces artistes qui ne souhaitent pas qu'on les manipule. Enfin, bon, après, pendant ces 2 jours qui est ouvert au public, ce salon, eh bien, il y a ces 40 carnetistes qu'on peut visiter et voir leur travail, et les écouter leurs discours. Alors, ce sont des gens qui ont aussi une grande culture. C'est un salon international. On a les Italiens, les Luxembourgeois, beaucoup de Belges, tous nos amis de Barcelone, tous les Catalans de Barcelone, c'est intéressant. Et pendant les 2 jours, le programme est aussi émaillé de conférences. Vous voyez, il y en a 2 par demi-journée, nous avons 8 conférences, faites par aussi des carnetistes, des voyageurs, des photographes, pourquoi pas. Et puis nous avons des ateliers, c'est-à-dire certains de ces carnetistes peuvent amener dans le village de Lourmarin, pendant une heure et demie, amener une quinzaine d'élèves pour dessiner dans la rue. Je dois vous dire qu'il y a un gros public pour ça. Généralement, les ateliers sont clos avant, on fait les inscriptions sur Internet, les ateliers sont clos au moins 1 mois ou 2 avant le salon, voyez-vous. Donc il y a du monde pour ça. On amène, chaque carnetiste en atelier, on amène 10 ou 12 personnes. Donc cette année, nous allons, pour la 3e année, essayer de reconduire ce salon à Lourmarin. Oui. On a la chance d'avoir un lieu qui est une ancienne coopérative fruitière qui a été entièrement rénovée, qui s'appelle la fruitière numérique. Alors c'est aussi un Fab Lab, comme je vous disais hier, c'est-à-dire un lieu où l'informatique est en avant, où on a les machines à sculpter en 3D, des scanners pour scanneriser des objets, etc. On a notre salon du carnet de voyage qui va se dérouler en 2020 à Lourmarin, et dont on attend d'arrêter maintenant les dates en fonction des autres salons, ne pas tomber pendant les périodes scolaires, etc. D'accord. Ok. Écoutez, je crois que l'interview a été très riche, et donc je vous remercie pour y avoir participé. On se dit donc l'année prochaine, et peut-être même avant, pour votre festival du carnet de voyage à Lourmarin. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de votre travail actuel et de votre aide future pour ce salon. D'accord.